Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la radio TXLT. Aujourd'hui, nous sommes très, très heureux d'avoir avec nous un grand bâtisseur de foi, le Père Fritz Legondé, le coordonnateur de la pastorale haïtienne du diocèse de Venise, pour un entretien à la radio TXLT. Frère Samuel, que je vous dis à que nous sommes réellement contents pour nous garder avec nous, Frère et Père Fritz Legondé. Et que coordonnateur de pastoral haïtien dans la diocèse de Venise, ancien coordonnateur haïtien de la pastoral haïtienne de la diocèse de Newark, et que le rabbin même dit c'est le premier coordonnateur pastoral haïtien dans la diocèse de Newark, et c'est le premier prêtre haïtien ordonné dans cette diocèse. Et bon, je vais dire la diocèse de Newark. Pour un entretien en radio de solidarité. Depuis Venise, Père Legondé Kenabdo, bonsoir sur les antennes de la radio de solidarité. Bonsoir, monsieur Vito, c'est un plaisir pour nous parler et puis saluer la communauté haïtienne tout partout, côté, il y a côté nous, il y a spécialement la communauté New Jersey et puis New York, comme des habitués en pile. Bon, c'est un plaisir. Oui, Père Legondé, bon, normalement, nous sommes habitués dans la radio de solidarité parce que, bon, nous avons plusieurs entretiens avec vous dans le passé, dans la radio. Voilà. Mais pour nous, que, depuis quelques temps, nous prenons l'autre phase que, bon, de radio, nous passons de radio de solidarité. Bon, c'est un effort, on sait ça avec après, que à travers la radio de solidarité, vous mettre tout le monde ensemble. Ce qui veut que, nous réellement content que nous gagnons pour, surtout l'occasion de 34e convention nationale là, qui a bien vous fait dans Saint Peter University, qui est dans Jersey City, et que nous connaissons que c'est le premier prêtre haïtien qui t'a donné pour assister ça, et où tu es, c'est vous-même qui t'es, c'est le premier coordonnateur haïtien, que pour assister ça. C'est le premier prêtre haïtien qui t'es coordonnateur pour pastoral ça. Lève les gueules. Voilà. Première convention nationale là, dans la Cité Nord, c'est avec vous que le devait, ça que nous avons jamais vu pour leadership que vous avez fait, pour le travail, pour la réussite de cette convention, pour les dégâts qui sont sortis un peu partout. Bon, tout d'abord, on a commencé. On a commencé avec la première question. Est-ce que vous êtes capable de nous que de Haïti, ça que tu fais ou tu as étudié prêtre et tu as étudié prêtre réseau dans la Cité de Newark? Ah bon, c'est ma baisse, c'est une histoire, ça, un peu coûte pour, mais c'est une longue histoire parce que j'avais commencé avec les Jésuites tout d'abord, d'après noviciat au Mexique, et puis des gonsommes qui étaient New Jersey, qui étaient malades, et puis à Jersey City, et c'est pendant que j'étais la noviciat, moi, j'ai vu Noël, et puis. Vin, peut-être remé ici quand même, mais c'est pas ça que fait Vin de retourner après ça. En fait, quand même des Ciudad Guzman, tout près Guadalajara, Mexico. Mais Vin Gonsum qui est très malade à Haïti encore, même l'heure, malé à Haïti. Et puis de là, moi, j'étais font temps à Haïti, pensant que t'as pas le mourir, même deux ou trois mois. Et puis, pendant ce temps, et puis je dis, temps passé peut-être, passe un petit temps, et puis autant l'année prochaine pour recommencer noviciat. Et puis je suis rentré New Jersey, et puis accidentellement, il faut dire ça, mais quand même providentiellement, il faut le dire d'abord, que j'ai été invité à une ordination de diaconat. C'est peut-être des gens de New Jersey peuvent se rappeler de Roseray Jean. Et puis, c'est lui qui t'a ordonné premier prêtre haïtien, mais il t'a ordonné diacre. Et puis, il est ça. Et puis, c'est l'ordination que je me rencontrais avec le recteur. Et puis, pour mettre l'histoire très courte, le recteur était allé avec moi, un peu séduit par moi-même un petit peu. Et puis, il a invité mon séminaire pour me faire une interview. Voilà. Et pour l'interview, et puis, j'ai été accepté. C'était un 8 décembre, comme ça. La fête de l'Immaculée Conception. C'est le samedi rencontré. Et puis le lundi après, c'est un samedi, mais le lundi après, j'étais admis au séminaire tout de suite. Et puis, m'entrer dans le séminaire pour le diocèse de Newark
le 13 janvier, je crois, 1986, voilà. 85 ou 86, je ne me rappelle pas. Donc, 86. 85, voilà. Mais Et c'est ça. il date en 86 Et avec puis, toi. voilà, c'est comme ça que je suis tombé noir, mais c'était providentiel, c'était pas un choix, d'abord. Bon, oui, mais c'est dans quelle année qu'il vous a ordonné? Mais ordonné en 1989, 7 octobre 1989, en effet, m'invitez-nous parce que le 7 octobre de cette année, c'est le 30e anniversaire de Wimper. Mais Euh, 7 octobre. c'est toujours une nature de noir pas vite, là. Bon, je crois pas. J'ai été à New York, à New Jersey pour Pour 25e ans, même pas quoi m'a fait le aussi grand. C'est ça, même pensé m'a célébré ça. Côté mi actuellement, moi, dans la paroisse Sainte-Calamquille, Fort Myers, si c'est là, m'y est toujours, 7 octobre, année ça, 2019, m'a célébré en Fort Myers, Florida. Bon, nous déjà invités, ce sera aux alentours de 7 octobre, la semaine de 7 octobre-là, captement lundi, pensez me célébrer là, vendredi après. Vos invitations officiellement, par Radio-Télé Solidarité. Bon, en tout cas, que la garde ouais, qui ça que nous avons fait, vous dites ou quand vous célébrez le vendredi après. Et vendredi après, ça veut Le dire. vendredi après, qui sera le, je crois que c'est le 11, Le 11 le octobre. 11 octobre de cette année. De cette année. Bon. Et là, que les fanatiques Pelicondéo ont commencé à mettre ça dans le calendrier. Voilà, Le 11 30e octobre, anniversaire. et que Pelicondé a bien pour célébrer et 30e anniversaire. Bon. Est-ce que vous pouvez dire nous et que et vous pouvez parler nous un peu d'origine pastorale haïtienne dans la Noire et la vie que bon et surtout l'autre vie là qui vient ça dire. Voilà, me ordonné en 89, malheureusement, il était voué une paroisse qui pas haïtien, c'était dans Jersey City, Saint-Paul, dans Greenville, tout près Bayonne, on qui est habitué. C'est là que me dit, mais de là, il y avait la nécessité, le père Calix Hilaire qui était là avec mon Elisabeth, et puis voilà, et puis il était venu aller retourner à Haïti, et puis moi-même, d'avoir fait le va-et-vient entre Jersey City et Elizabeth, St. Michael's, Elizabeth, Holy Rosary, St. Michael, pas de tout ça, non, les altes, St. Michael. Et puis, de là, on a rencontré ça, et puis, bon, c'est moi qui t'ai choisi, me dit, au lieu que m'a fait le va-et-vient, je reste dans la communauté haïtienne. Et puis, mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Mais de là, je te dis, là, moins d'une année, j'avais organisé peut-être pour l'histoire, Yo premier convention, pas qu'à dire convention, un congrès des jeunes pour New Jersey, mais New York est invité. Monseigneur Sansari s'est fait pour nous-mêmes avec tout le groupe de New York, les jeunes Karine Tunnel, Préville, que me songeait avec tout le groupe des jeunes de New York. T'es venu animé pour moi, mais pourquoi j'en fais congrès des jeunes? Alors, c'est le premier congrès qui a été fait à Kearny, New Jersey. Il y avait plus de 300 jeunes. J'étais toujours à Saint-Michel, je crois que c'est l'année 90, ou bien 91, je me rappelle pas trop, mais 90 probablement, ou bien 91. Et puis, nous avons fait encore congrès à Kearny, dans le centre jeune, qui était fait bâtir ça. Et puis, voilà, et de là, et les jeunes nationales, bien de l'apostolat, viennent continuer congrès ça et bien faire congrès des jeunes toujours à Kearny. Je souhaitais que l'a toujours fait, mais c'est là Karine dès qu'on est habitué à faire. Mais c'est de là qu'ils ont pris le goût et connaître Kearny. La première, c'est une journée de récollection quand même. C'est pas un congrès, c'est une journée de récollection des jeunes qui était un grand succès à Kearny, premier qui existait toute la diocèse Newark, New Jersey. Voilà, c'est de là que je commençais puis après d'un an, 91 déjà, j'ai été transféré dans l'église Sainte Holy Spirit, Our Lady Help of Christian and Holy Spirit dans East Orange. Alors c'est là, c'est de là que nous vraiment commencé un vrai apostolat, même si j'étais pas le coordinateur
de l'apostolat haïtien toujours, mais à partir du congrès des jeunes que j'ai fait, tout le monde était pointé comme un leader pour jeunes et puis pour apostolat. Et puis arrivé à East Orange. Et à cette époque, où dit Valou même qui était coordonnateur? Qui est-ce qui était coordonnateur de ça? Oui, c'est un être du diocèse de Noack, Père Thomas Lipnicki, qui est un Polonais d'origine, qui parle créole extrêmement bien. C'est lui qui a coordonné apostolat. Par contre, c'était un titre directeur, mais c'est lui qui a fait messe pour haïtiens, c'est lui qui était East Orange d'ailleurs. Le curé de Our Lady Hope of Christians, et puis il était qu'on fait messe pour haïtiens, voilà. Mais c'est de là que moi, je viens de transférer avec l'Église, moi, formé groupe charismatique, dans toute l'Église, presque. Et là, mais quand même, le Holy Spirit, encore Monseigneur Sansarik, c'est lui qui vient ouvrir prière, premier, ah, mais pas premier, parce que Elisabeth était en prière. Un groupe de prière charismatique, mais il est devenu plus grand parce que là, nous ouvrons là avec Monseigneur Sansari qui est venu à New York. Et puis, nous-mêmes, nous avons formé un core team qui est venu et qui est allé joindre Père Malagrika pour nous faire séminaire de la vie dans l'esprit. Là, nous avons fait séminaire de la vie dans l'esprit. Nous avons venu, nous avons inauguré une grande prière charismatique là, Our Lady Help of Christians, qui est toujours là, qui rencontre tous les jeudis. Mais là, nous avons commencé, nous avons plus de 300 personnes qui ont commencé une grosse prière, qui ont continué comme ça très, très bien pendant un bon temps. Et bon, c'est de là que moi, je viens créer un groupe de jeunes, le flambeau des jeunes, et puis les jeunes pépinières, tout. Comme des formes en grand groupe tout, c'était Roderick Israël avec ensemble avec Brutus, Emmanuel Brutus qui était responsable groupe jeune pour moi. Et puis Marie Trofit peut-être. oui, et il veut que on dit que c'est dans quelle année où t'es réellement responsable pour la pastorale haïtienne. Oh, tout cela, mais je faisais tout cela, me battre que responsable pour cela ici, hein, non, moi, quitté, c'est en 93, tout ça, passé, 94, moi, j'étais transféré déjà dans l'église, dans l'autre l'église encore, qui était venu couper, du coup, activité pastorale, parce que, à East Orange, il y avait beaucoup d'activités, jeunes, charismatiques et autres, et puis, me vint transféré Jersey City en Saint-Patrick. Et puis, c'est de là, je me rappelle, le 4 octobre 1996. Il y a le même directeur sur l'Haïtien à partir de... J'étais à Saint-Patrick. D'abord, c'est le 7e anniversaire. Sur Thomas Lipnicki, c'est ça? Oui, Thomas Lipnicki. C'est le coordinateur. Sur le remplacé, lui. Oui, officiellement, c'est moi qui t'ai remplacé en 96, octobre 96. Oui? Bon, est-ce que vous avez parlé nous un peu du ministère de l'archidiocèse de Noack, l'Offine Paix, en 89, c'est ça? Oui. Bon, est-ce que vous avez parlé nous un peu du ministère de l'archidiocèse de Noack? Ok, d'accord. En effet, dès mon premier paroisse, moi, j'ai commencé dans Saint-Paul, après ça, moi, transféré dans Elisabeth, dans l'église Saint-Paul. Michel, quand tu es haïtien, moi, faire un petit bout de temps là, et par en pile, moins d'une année, moi, j'ai été transféré dans l'église Saint, Our Lady Help of Christians, qui est dans East Orange, New Jersey. C'est là que moi, j'ai passé près de 2 ans, pas même 2 ans, là. Et puis de là, en 1994, moi, j'ai été transféré à Saint-Patrick Joseph City, que là, je passé 7 ans. Mais c'est de là que moi, je viens l'homme directeur apostolat haïtien en 96. Le 96. Voilà. Bon. Oui, en octobre 96. Est-ce qu'on va parler, nous, et ministère ou comme directeur de la pastorale haïtienne de la société de Noir? Qui vient s'atteler, qui problème, qui challenge que tu gagnes à l'époque ça?
Oui, bon, en effet, le challenge, c'était tout ça. Depuis l'homme de fait ordonné prêtre, alors depuis l'homme de fait congrès des jeunes à Kearney, pas congrès, Kearney-Léon, journée de récollection, c'était en 91, je crois. Et puis de là, nous étions formés à partir de succès, ça nous formait, on s'entraînait, on coordinating team, parce que nous t'ai fait journée de collection avec toute l'église, mais pas de coordination. Seulement que t'ai fait, les me dit, bon, en coordonner toute l'église, nous t'ai fait, nous t'ai pris deux membres dans chaque église pour nous faire coordination, ça. Et puis, quoi, elle toujours existé, il était le Haitian Coordinating Team of the Archdiocese of Newark, New Jersey. Et puis, l'itérité là, c'est de lui-même qui devient un challenge en pile parce que, en effet, c'est une bataille pour nous te faire parce que, il y a monde qui ne peut pas comprendre ni, c'est un pionnier dans ça, pour nous faire toute l'église ensemble, pour nous faire apostolat ensemble, pour nous faire charismatique ensemble, pour nous faire les jeunes mariés ensemble, pour nous faire 1er janvier ensemble, que nous avons toujours fait. Et puis, fait de là, tout, nous devons faire un choral interparoissial pour l'archidiocèse de Noac. Et tout ça, même, penser que tu as toujours été avec intercharismatique qui est toujours là, je dis qui fonctionnait très bien en bas, Haitian Coordinating Team, non, peut-être pas trop fonctionnel, mais c'était un challenge pour te mettre haïtiens ensemble, et pour travailler ensemble. Et puis, penser que c'était un gros challenge, non? Et les pour nous réunir, des problèmes avec paix dans notre paroisse, pour ça, t'es existé, ou pas de comprendre ni l'idée, hein? Mais ça te permet de nous travailler bien, parce que avec Coordinating Team, ça te fait un journal pour apostolat, apostolat de Newark, New Jersey, et nous, comme moi, nous fait, nous organiser, d'inviter des leaders charismatiques venus qui fait ensemble nos fêlis, nos pas de gens, nous invités, par exemple Sœur Claire ou bien Père Campion, nous toujours fait avec l'église honnête, toute l'église ensemble, et puis nous venons organiser 1er janvier, qui est toujours qu'on fête, mais pas qu'on fête avec toute l'église ensemble pour préparer messe et activités culturelles ensemble, toute l'église. That was very challenging, but at the end, really, à la fin, il était très bien, et le monde qui te comprenait, il te supportait, et puis ça a marché. Pourquoi c'était plus gros challenge, mais c'était plus gros succès, non tout, l'archidiocèse, Noah comme directeur apostolat. Et Bon, c'est essentiel. oui, dans l'époque ça, qui est un ministère, j'aime mieux te dans l'époque ça, ou t'es ça ou même, qui t'es gagné là comme le directeur de la pastorale haïtienne de l'Archidiocèse de Noir. Voilà. Qui est un ministre qui jeune là ou bien ministère des jeunes t'es dans l'époque ça. Voilà. Ça t'a marché parce que nous t'es essayé tout pour nous t'es faire ce coordinating team, pour nous t'es faire un inter-jeune, inter-charismatique, inter-tout groupe yonette dans l'église. Les jeunes t'es comme t'es marché. Malheureusement, à Saint-Patrick, côté MTA, il y a très peu de jeunes, mais ça a été un booster parce que Histo-Ange, Elisabeth, Irvington, Montclair, surtout, t'es très supporté ça. Et puis nous-mêmes, nous sommes venus team-up avec, c'est le cas dit ça, avec l'apostolat des jeunes de New York. Et nous toujours travaillé avec eux. Je pense que ça a toujours fait, toujours. Laissez venir à moi les petits enfants, je crois, de Jackie et les autres, de Karine, Dunel, je me rappelle de tout ça. Et puis tout le monde s'est avec l'église Saint-Innocent, je me rappelle pas les noms, mais était qu'on aidé, nous, venir supporter Pernio. On va parler de frère original, pas gloire. Frère Réginal et tout ça. Et puis même Réginal Magloire, avec musique, était qu'on venait aider, nous. Vraiment, nous étions toujours vraiment actifs. Les jeunes faisaient de grandes activités culturelles, fundraising et tout ça. Et je me rappelle en 91 déjà, j'étais pas encore le directeur, mais comme j'étais sacré de courir, de comme directeur apostolat, parce qu'on accueillait, si vous vous rappelez qu'on accueillait les réfugiés
lorsque Aristide avait pris le coup d'État. Alors, les jeunes que sous direction, moi, t'es fait fundraising, accueillir les réfugiés, donc t'es cherché caille pour yo, bah, manger, bah, travail, on les accueillait, on faisait tout. Des activités sociales, culturelles, religieuses. Il y avait la messe des jeunes à Historange tous les mois. Les jeunes étaient vraiment actifs sur mon apostolat, il faut le dire. C'était mon souvenir de New Jersey quand même. Oui, c'était l'action des jeunes. Et Paligone, est-ce qu'on a appelé combien de pères haïtiens qui travaillent, qui étaient ministères dans la Chine de Noir, dans l'époque où tu étais coordonnateur? Oui, les moins t'es fait commencer apostolat haïtien. J'étais le seul prêtre haïtien au début. Jusqu'à ce que j'ai fait venir Père Max Ozias, qui est toujours à Historange, mais qui est à Historange, c'est lui qui est venu après. Entre-temps, Père Beau, l'actuel directeur de l'apostolat haïtien, il était ordonné prêtre, mais il n'a pas travaillé avec haïtien du tout. Et puis, c'est pendant que moi allais à Jersey City, il y avait Père Nerva Duguay qui était venu entre-temps. Il y a deux autres prêtres qui étaient ordonnés aussi, mais ils ont quitté tout de suite je m'appelle Bertoumieux et puis Burnet Moïse. Ils ont été ordonnés, pas même fait 2 ans, ils ont été quittés. Alors, l'air que me quitté, il y avait moi-même, il y avait Père Marc Ozias, il y avait Père Duguay, Nerva Duguay qui a laissé là aussi, et puis Père Beaubrun-Andouin qui était venu. Et jusqu'à la fin, il y a le prêtre qui a Elisabeth aussi, Ardin, qui était venu, juste ça pour moi, je crois, le temps que m'a parti, c'est les Salvini. Et puis, il y avait le père qui est venu de Jacques Mel, qui est à Long Island maintenant. Excuse-moi si le nom m'a échappé, me connaît. Il est même curé. Il est devenu. Oui, j'ai entendu ça, et ça qui est. Et puis, les autres qui sont venus après, Marc-Antier et tout ça. Mais lorsque j'étais là, pour vous répondre, c'était moi seul. D'abord, Père Marc Ozias et Père Nerva Duguay. Et c'est une bonne idée. Et Père Bobo. Et que Père Marc, c'est un ancien prêtre qui l'a. Oui, oui, parce que Père Marc était venu juste bien avant. Parce que lorsqu'on devrait, alors je vais te donner une petite histoire courte, c'est parce que Haïtien était l'ancien. Il était dans Sacré-Cœur, là, 20 ans, il était un problème là, et puis je devrais pas te vouloir perdu, et puis supplier le père pour te accueillir comme apostolat haïtien, et puis voilà Saint Léo, vino offrir moi, il dit, mon carouvel, et puis c'est là qu'on a fait venir Père Max, grâce à l'archevêque, pour que notre cas ouvrit Saint Léo avec Père Max. Mais quand même que Père Beau était déjà ordonné, déjà le Père Max était venu, ou bien que tu as ordonné. Oui, il t'a ordonné, mais il n'a pas travaillé avec Haïtien. Il va pas faire ministère avec Haïtien. Il était à Roselle, New Jersey, mais pas avec les Haïtiens. Pas avec les Haïtiens. Bon, nous connaissons tous, c'est sûr que le premier conversation state nationale a été organisé dans New Jersey. Qui sont capables de nous de conversation ça? Parce que moi-même, je voyais des premières conversations, tout le monde a eu la chance de participer avec le state national. Oui, c'était vraiment, bon, j'étais fougueux, j'étais actif, j'étais jeune, puis je voulais le faire, c'était un, bon, content qu'on songe ça, il faut le dire, parce que moi-même, c'est pas parce que c'est moi qui t'ai peut-être organisé le New Jersey, mais c'est une très, très, très belle convention pour le monde qui témoignait de ça, qui était très bien faite, parce que c'était la première fois, lorsque je m'en de challenge, je me joindre, c'était une challenge, parce que c'était la première fois. Ça va le fait New Jersey. Faut me dire, avant moi-même, New Jersey pas tellement connu. Tout le bagage de New York et autres. Mais quand même, nous avons eu une chance de faire après cela. Nous avons joué à Seton Hall. Parce que c'est là que j'ai étudié. J'ai eu quelques contacts là. Et puis, moi, ça me rappelait plus. On avait commencé avec un fêtre qui était jusqu'à présent. Combien d'années après, même l'archevêque m'a dit, c'est une plus belle fêtre. Il dit, les gens m'assistent. Qu'il était là avec le gouvernement, c'était fait, mais c'était une belle prière pour débuter.
c'est en chapelle, c'est en hall là. Bah, songe tellement trop, mais c'était un bel. C'était un. Notre Monsieur Sansag, merci, qui était invité de bons orateurs. Qui était bien organisé, très bien. Parce que moi, je me que à cette époque, nous avons le père Dumas, qui maintenant, qui est l'évêque de Assange. Qui est évêque. Vraiment, je crois que c'est la première fois qu'on avait invité père Dumas. C'est là qu'on a découvert le talent de père Dumas aussi. C'était à New Jersey, autour de la convention. Ça, c'était merveilleux, en effet. Au cas où on met au gars Chifio, Kadim Plus. Mais c'était très bien organisé parce que c'est un défi pour New Jersey parce qu'on n'avait pas fait ça encore. On était plutôt un jeune apostolat. Et puis, mais on avait eu, comme je dis, des jeunes qui étaient dynamiques, fougueux, enthousiasmés. Et puis, il faut dire, New York était tout prêt, était organisé, tout ça. Et puis, tout s'était bien passé. Mais c'était sous l'égide de l'apostolat. Et je suis content que l'autre fait le congrès New Jersey encore. Et entre temps, mais un petit peu reculé, c'était dans le centre haïtien même, à Orange, que ça t'est fait, et qui était bien organisé, parce que c'était le fief haïtien même à South Orange et à Haïtien Opress, East Orange en 20 ans. C'est ça qui fait ton bon succès. Et si vous voulez bien, oui, et coordonnateur des pasteurs haïtiens dans l'année 96, va vrai? Oui. Mais vu que vous pouvez ça, vous pouvez 98, tu t'es fait. Je ne me rappelle pas de l'année, encore une fois, on peut toujours, quand j'ai écrit ma jeune époux, mais je n'ai pas fait mon travail d'archives que je m'étais commandé, même pas si j'ai demandé ça, mais je ne me rappelle pas, mais quand même, ma foi gagne en ligne, même si c'est pas écrit ou à ajouter ça. C'est aussi une part gagne en ligne. Mais dans les archives de l'apostolat haïtien, il faut gagner qui était fait assis dans l'université. Quand même que réellement tu es senti dans la conversation de l'implication de New Jersey bon, sous le leadership du père Fritz Limondé, et qui à cette époque, que moi je me très bien, tu es un monde qui est senti boostant un peu partout qui était là dans la conversation. Ça, bon. Que, bon, oui, et que année là, que bon, nous allons, ça, mais que c'est troisième formation, nous pouvons que nous allons bien dans New Jersey, parce que là, nous avons un premier cardinal long, tu es en conversation qui est faite. Dans la même année, que le Saint-Père était nommé cardinal d'Anglois, ouais, que nous étions Jésus, avec que ça a oui. C'est quoi cette question? Bon, je ne sais pas que vraiment, si vous avez un petit mot pour le monde qui a bien participé dans la convention, ça, dans la troisième convention, hein, surtout pour les Jésus, qui sont capables de dire? Eh bien, c'est toujours, j'avais quand dit ça, un team effort. C'est un travail d'équipe qui toujours fait toute bagarre réussi. Je ne sais pas si je prends gloire que moi-même t'ai fait. C'était toute l'apostolat qu'elle faisait. Alors, c'est toute l'église qui t'a involvé, c'est toute l'équipe de main. Nous avons gagné un coordinateur, un team non, qui était très envie de prouver que tu as fait l'MD là. Je pense que si tu fais un team ministry, un travail d'équipe, là, un bon succès, tout, parce que le monde est là, les gens ont plus d'expérience maintenant. Il y a un savoir-faire, il y a un conféli. En effet, là, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que les notes fait là, il n'y a pas même connaît ça qu'a pour cela ici. Hein, même. C'est peut-être à partir de là qu'il vient connaître. Mais qu'il y a un connaît pour cela ici. Hein, et puis, c'est seulement ça qui a créé ce travail d'équipe-là qui peut faire ensemble. Si un monde qui a fait pour compte lui, il est déjà voué à l'échec. Si que, ou bien yon, l'église fait pour compte lui, c'est toujours ensemble. Et puis, c'est peut-être ensemble ça qui pourra le faire. Bon, c'est pour Haïti tout, c'est pour tout ça qu'on a fait. C'est ensemble, le travail la vie le plus facile, et puis le plus belle, et puis le plus fort. Et puis, and get the young people involved. Bah, on est qui genre à travailler qu'on y a. C'était les jeunes qui faisaient ça plus. C'est eux qui étaient actifs, c'est eux qui ont courage, c'est eux qui ont énergie, c'est eux qui ont vision tout. Il faut utiliser la vision des jeunes, leur intelligence, leur savoir-faire, pour ne pas penser qu'ils ne sont pas capables. Bah connais mon capricieux ça pour cela c'est pas pour ta fin get the young people involved et puis après que y a peut-être dynamisme un peu de nouveauté dans toute la postola d'ailleurs bon, de alors pas, là, je crois que c'est l'essentiel que je voulais dire ouais moi avec l'équipe Jersey y a travaillé sérieusement dans la semaine même ouais que pour y en voilà. Pour et ton out que pour faire ça que dans New Jersey comme toujours parce que
nous capable dire que New Jersey que réellement que il a toujours participé. Bon, même les congrès du renouveau charismatique, il a pris le fait que New Jersey que pour pas en réussite et moi crois que nous bon et que moi c'est ça que bon boy qui New Jersey qui toujours participer aux activités bon, du centre national, aux réunions et même à la préparation de cette grande convention, ouais, qui a fait tout ça qu'il est capable, que réellement pour cette convention soit vraiment une réussite. Parce que la réussite, c'est pour la pastorale haïtienne, c'est pas pour moi, c'est la rite, ouais, c'est pour la pastorale haïtienne. Parce que nous croyons que l'important pour nous quitter ensemble, ouais, et que normalement, on identifie les problèmes que nous gagnons. Parce que c'est du choc des idées, j'ai toujours la lumière. Ah, il a la lumière, tout à fait. Vous pouvez rappeler notre date pour dire tout, date apostolat haïtien, convention. C'est 31 mai, 1er juin, 2 juin, la fête dans St. Peter University qui est dans Jésus. Ah, bien, parfait, c'est bien. Alors, on y a invité, mais c'est sûr, mon qui a inscrit, Moi, je suis capable de venir, même pour un jour. Mais j'ai promis tout ça, ce sera bien. Parce que New Jersey, c'est quand même toujours senti moins bien, New Jersey. Et le premier coordinateur de la pastorale haïtienne de la chaise de Noac, ouais, parce que quand même que si pastoral l'a arrêté, que bon travail qui était fait, mais il faut que tu prennes, ouais, ça que l'idée que bon travail qui fait et que réellement que son population qui réellement qui que nous avons dit de grande foi, qui très vite grandit, qui grandit tout. Bon, et que, oui, je souhaitais grandir tout parce que c'est sûr avec le temps ça va venir plus, ou du moins si on connaît exactement ce que l'apostolat est haïtien, puis nécessité, l'importance, je pense qu'il a supporté, alors m'encourager, tout le monde, New Jersey, en fait, New York, Connecticut, tout le côté qui a vasé nature, pour surtout encourager, réussite, tout le congrès, ça, qui va le faire, 31 mai, ça, qui va arriver là, tout de suite. Est-ce que tu as commencé avec une adulte à début de semaine, ça, que le père Fritz Gondé sera avec nous et à la 24e convention nationale. Non, bah, voulez pas me mentir, mais je veux quitter comme une surprise si la fête, parce que je serai déjà en zone déjà pour mariage, mais extrêmement difficile que me carité encore, mais retourner encore, mais ce sera un plaisir pour moi-même. M'avait fait toutes les formes pour me passer le plus possible. Ça, okay. C'est un cadeau t'as fait, mon Seigneur, ça arrive. Je sais, bon, on va me cadeau, c'est pas pour moi, t'as pris tout, parce que c'est mon cadeau. Normalement, on a invité notre Sainte Venise, que pour pas fini, que vous rappelez tout, que vous t'invitez, le groupe de prière, que nous croyons que non, pas ouais, c'est pas, et non, Holy Spirit, ouais, que groupe de prière, que c'est toujours avec vous. Oui, oui. Et c'est toujours content que pour participer, on a tout ça que vous invitez. Et que déjà, officiellement, que moi, c'est ça qui invite, vous pouvez pas voir moi, on. Merci. Merci, m'a souhaité que je suis capable de venir, m'a fait toutes les formes pour ça. Merci un peu, Bito. C'est un plaisir quand même pour me parler avec auditeurs et puis téléspectateurs de Radio Solidarité. C'est un plaisir quand même de t'en voir encore et pour refaire me revivre Apostolam dans New York, New Jersey, Connecticut dans zone ça, que je suis très actif. Alors, on m'a dit, mon Dieu, merci pour l'opportunité ça et que je suis toujours là, actif moi-même. Et moi, je souhaite du succès, non seulement pour le congrès, mais pour Network ça qu'on gagne, hein, parce que je n'ai pas de chance, de privilège de Network ça moi-même au début, parce que je dis à bah, yo, aller plus vite, plus rapide et plus bien avec médias, sociaux médias. Et toute qualité que nous gagnons, je dis. Alors, utilisez-le. Ce sont des weapons que nous gagnons. N'importe quoi que ce soit tout petit, ce n'est pas moi qui ai des networks là, c'est le centre national. Parce que même moi, c'est avec nous que tout ça que l'a fait, c'est pour l'église. Oui, parce qu'il ne faut pas voir toujours, mon cher Zag, il faut voir la pastorale haïtienne. Oui, mais c'est ça. Bon, merci pour la correction, mais quand même, c'est voir que nous entendons. Merci en pile pour fidélité, parce qu'on l'a longtemps, et pour toujours répéter, pour ce centre national-là, continuer avec mission ça, évangéliser par la radio, par la télévision. Ça, c'est merveille. Félicitations à toute l'équipe, quand même. Voilà. Bon, et que, Père Nicodé, que
et que c'est sûr que pour nous là que nous connecter sur Skype que non prochain entretien là pour parler de Venise mais que nous très content pour nous parler avec vous parce que réellement vous font bon travail que dans New Jersey l'époque que vous êtes là non seulement comme le premier prêtre haïtien le premier coordonnateur haïtien de la pastorale haïtienne que nous vraiment content pour nous te gagner hein? Nous va connaître vraiment sur mon dernier mot avant que vous parliez. Bon, j'ai tout dit, je suis content que vous avez un privilège de parler avec moi. Et puis, moi, salut, je dis tout le monde qui gens que à Miss New Jersey, moi, songe New Jersey, puis moi, maintenant, en pile, c'était la première, moi, la m'étudier, c'est la m'ordonner, c'est la m'faire pastoral, jeune, moi, depuis l'aime dans le séminaire, et tout ça. Et puis, moi, c'est petit, mon New Jersey, ou bien papa, et tout, dans certains sens, amis, et moi, j'aime en pile, alors, moi, souhaiter. Oui, en pile là, nous, dans fin mois et dans le congrès. Bonne chance et citation encore une fois. Eh bien, ok, bon, en tout cas, un grand merci, Père Ligondé, que nous t'aimons avec nous aujourd'hui. Que le Père Fritz c'est ton plaisir. Le Père Fritz Ligondé, le premier coordinateur haïtien de la pastorale haïtienne de la Chine du Saint-Denouac. Et maintenant, il exerce son ministère et dans le diocèse de Venise, où il est le coordinateur de la pastorale haïtienne. Du diocèse de Venise. Qui veut que nos prochaines émissions ou bien nos prochains entretiens avec lui, n'aient pour nous parler de ministère dans le diocèse de Venise. Encore une fois, un grand merci et bienvenue et à la 34e convention du Centre national de l'apostolat haïtien. Merci beaucoup, merci. Allez. Okay, c'est au revoir.